Voilà. Tac. Je réactive le son du bureau. Et puis, salutations à toutes et à tous. Ceux qui regardent le replay, du coup. Pour ma part, ça va plutôt bien. En ce moment, j'ai pas trop d'idées de dessin. Je voulais quand même faire un stream au cas où, quoi, mais... Au final, j'ai pas trop d'idées. Mais je me suis quand même rappelé que mon overlay sur les dessins, enfin sur Krita, est pas génialissime, on va dire. Genre, je mets ça. Bon, c'est un vieux. Enfin, c'est le vieux truc habituel, quoi. Mais je me disais quand même, pour changer. Voilà, on va retourner sur le main bureau. Voilà. Pour changer, je me disais. Ça pourrait être cool de refaire l'overlay pour tout ce qui est dessin, bureau, même pour du blabla. Avec bien entendu un endroit spécifique au chat, parce qu'actuellement le chat il est. il est alors quand même. Non, oui, chat, voilà, je l'ouvre. Voilà. Actuellement, il se situe là, le chat, avec le vieux cadre rouge. Donc c'est pas super GG. C'est pas super GG. Donc, du coup, je vais faire un truc spécifique, justement, pour le chat. Pour qu'il puisse être plus visible. Que ce soit plus propre, bien évidemment. Puis comme ça, au moins, en replay, on verra le chat. Voilà. Ce sera un truc quand même qui sera plus propre. Hop, j'ai. Et coucou Jess, comment ça va? Je vais activer d'ailleurs la musique en fond. Voilà. Du petit synthwave, c'est pas mal ça. Regarde mon statut perso. Alors, tu parles de Discord, j'imagine. Alors, Jess, zéro team. Zéro support, zéro push égale une mort. Ah, t'as passé une mauvaise journée sur Warship. Ça se voit. Le pauvre. Tac. Donc, comme je le disais, je vais refaire au propre mon overlay. Tout ce qui est dessin, bureau et même du blabla. Voilà. Pas forcément pour tout ce qui est jeu, puisque pour tout ce qui est jeu, je garde cet overlay là. Hein. Mais voilà. Par contre, les mecs face à mon Montana et commandant SP, je les fume. Ah, ça me rappelle. Quand j'ai testé Yamamoto, parce que vu que j'ai enfin le commandant légendaire japonais Isoroku Yamamoto, c'est lui à 35K de charbon. Ah oui, tu parles. Oui. Je sais plus son nom à ce commandant-là, mais il est pas mal apparemment. Mais ouais, j'ai enfin pu tester Isoroku Yamamoto sur mon Atago. Commandant quand même 15 points, ce qui est pas rien. Je lui fais un build quasi identique à celui de mon Zao, mais comme celui de mon Zao c'est un commandant 17 points et pas Yamamoto, du coup les builds n'est pas complet à 100% quoi, mais je l'ai testé avec mon Atago déjà. Le graissage des rouages supplément, enfin qui est plus efficace que pour un commandant classique. Oh le pied, mon dieu, j'ai hâte de tester ça sur le Zao. Tu as le boost de rotation des tourelles plus le chargement de avec moins 75% de temps en rechargement. C'est pété les deux compétences sur le Montana. Tu m'étonnes. En tout cas, moi j'ai hâte d'utiliser la compétence de Lutyens avec les 140 touches à la principale.
Ça aussi, ça a l'air d'être pété. Qui passe de HE à AP et paf à 0,5 secondes de rechargement. Ah bah oui. Et oui. Le reload amélioré quand tu changes de munitions. Ça aussi, c'est pété. Très efficace. Il me semble que je l'ai sur le Scharnhorst, ce reload amélioré. Enfin, ce reload. Le fait de passer de la HE à de la P. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il ne le fait pas après que tu aies tiré. T'es obligé de l'avoir. Enfin, de le faire en même temps que tu as la munition qui est déjà prête. C'est dommage. Sur le Montana, faut le mettre. Oui, bah comme beaucoup de cuirassés avec du 16 pouces, du 15-16 pouces. C'est assez important à ce niveau-là. Pareil avec le 14 pouces, comme il y a sur le Congo. Bon, encore le Congo, c'est pas trop grave, mais sur le Hyuga, qui est quand même un tier 7, qui a des munitions de 14 pouces, ça craint un peu quand même. Ça serait trop cheaté. Oui. Le Congo, ouais, vu que c'est un tier 5, il peut rester à la paix, c'est pas trop grave. Mais le Yuga qui tombe quand même contre du tier 9, ça commence à craindre un peu. Bon, sur ce, moi je vais lancer du coup Krita. Je vais quand même brancher. Imagine mon Atlanta. Alors tu vas rire, mais j'étais tombé contre un Atlanta. C'était un Atlanta ou... Non, c'était un Cleveland, je crois. C'est ça, c'était un Cleveland. Le Cleveland, il a utilisé de la paix contre un... c'était avant-hier, il avait utilisé... il avait rechargé à la paix contre un... C'était pas un Bismarck, il me semble que c'était un Zieten. Ou un Tirpitz, je sais plus, mais ouais, il avait utilisé. Il était à moins de deux bornes. Enfin, il était à deux bornes. Il avait utilisé de la paix contre un cuirassé allemand broadside. C'était pas un Bismarck, ça, c'est sûr. Et le machin, il a quasi one shot. Un Cleveland, quoi. Ah la vache. 2 secondes de reload, d'obus, de HE à P. Bah oui. C'est important. Non, mais en effet, les ils sont pas du tout OP, les Américains. Non, pas du tout. Ils sont pas du tout OP. Largement pas. Bien sûr, c'est du sarcasme. Hop. Alors, je préviens, le BrivSV vient de chez moi. Voilà. Les Américains, faut les trois commandants SP pour que ce soit pété. Surtout le Sherman. Bon, c'est vrai que le Sherman, si tu n'as pas un des commandants spécifiques, c'est vrai que il est un peu moins OP. Mais en vrai, surtout le Sherman. Le Sherman, j'ai un peu de mal avec lui. En effet, il a de quoi être OP sur le papier. Mais face à un croiseur qui est spécifique pour tuer les destroyers, comme Onzao ou comme n'importe quel croiseur lourd, en vrai, il fait... S'il se prend une pleine salve dans la gueule, en vrai, il fait pas long feu. Hein. En plus, les torpilles, attends, il a... 4 lanceurs de torpilles monotube, donc une torpille chacune, ce qui en fait 4 au total, qui sont fixes comme ça, c'est-à-dire qu'ils bougent même pas pour mieux viser. Ouais. Alors je sais pas si il me semble qu'elles sont pas, enfin c'est des torpilles classiques américaines, mais la vache c'est pas beaucoup. Sherman et Ashley. Plus le
Sherman égale... Sherman et Ashley plus le Sherman, hein? Égale Kraken. Oui, bah ça, oui, ça dépend. On l'a sur War Thunder. On est bien pété. Après, War Thunder, c'est un autre jeu. C'est pas Warship. Tac. Tac. Voilà, je vais passer sur Krita. Mais on a les bas. Mais on a les bases, donc c'est très proche. Oui, ça ne m'étonne pas, c'est un navire de la guerre froide. C'est logique. Alors par contre, le chat comme ça, je vais le réduire en taille comme ça et agrandir comme ça. Alors je suis désolé, hein, je fais encore des tests. Voilà, ça devrait être bon là. Et d'ailleurs, t'as vu, j'ai reset la barre des follow. Du coup, maintenant, elle est quand même plus réelle comparée aux 49 qu'il y avait avant que je reset. Genre, j'avais, c'était marqué que j'avais 49 followers, alors que pas du tout, j'en ai 38. Oui. Oh, on voit pas assez là, par contre. Oh, Streamlabs, aide-moi, Streamlabs. Ça fait pas beaucoup là. On va augmenter la taille des lettres. Alors, All Vickets, merci. Followers Goal, voilà. Settings. Hein? Background color, text color, condensed layout, standard. Ah non, c'est pas toi que je veux. Reset. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là, comme connerie? C'est pas toi que je veux. All Vigets, merci. Chatbox, voilà, parfait. Font size, hop, on va augmenter la taille des fontes. Save settings. Tu peux faire un test dans le chat, s'il te plaît, si t'es encore là. Depuis jeudi dernier, j'ai tronché Need for Speed. J'ai cru comprendre, en effet. Perso, c'est pas trop mon style de jeu. Voilà, j'augmente la taille. Ah non, ça c'est après 40 secondes, donc non. On va alors augmenter à 30 pixels. Pas très jeu de voiture en vrai. Pourtant ça m'empêche pas non plus d'aimer certaines voitures, hein, mais je suis pas non plus grand fan de voitures. Je suis déjà à 38 heures. Ah oui, quand même. Ça fait beaucoup, 38 heures, non? Dont 24 heures en 2 jours. Ah oui, calme-toi s'il te plaît. Hein. Ça fait un peu beaucoup là, non? Par contre, pourquoi est-ce qu'il me le fait tout écraser? Genre tout écrasé mais sur le côté. Je comprends pas. Ah, et en plus j'ai des petites latences. Bon, ça va, c'est pas autant que tout à l'heure. Tout à l'heure j'avais une latence. Oh la vache, j'étais dans le rouge alors que je venais tout juste de lancer le stream.
J'ai dû reboot ma connexion et puis hop, c'est venu. Bon, je vais laisser comme ça du coup. Tac, on retire. Voilà. Tac, tac, voilà, pouf, voilà. Alors, un nouveau fichier. Tac, cette fois-ci, on va choisir un verre dégueu, comme ça. Pour faire genre c'est le fond du de Krita. Et en termes de dimension en 2K, ça devrait te faire l'affaire. Voilà. Voilà. Attention les yeux. What? J'ai dit un verre moche dégueu. Qu'est-ce qu'il me fait là? C'est pas un verre moche dégueu ça. Ah. RVB. Créé. Ah oui. Non, je veux pas enregistrer celui-là. Là, c'est quand même beaucoup mieux là d'un coup. Là, le vert fait plutôt fond vert. C'est fait exprès justement ce vert-là. Voilà. C'est ce. Voilà. Parfait. Alors, du coup, toi, l'arrière-plan, on va te modifier. On va modifier ta taille. Bah alors. Ah oui, toi on va te dupliquer. Voilà. Et toi on va te delete. Ensuite. Bah alors. Qu'est-ce qu'il me fait? Non. Contenu, opacité de l'arrière-plan. Non, intégré comme image. Calque de remplissage, tiens, parfait. Non, celui-là fait plus néon. Oui, non, mais c'est temporaire celui-là. Il sera temporaire. T'en fais pas. Paf. Mais qu'est-ce que quoi?
Non, dégage, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Krita! Nouveau fichier. Ah, si c'est le cas, hein, contenu. Transparent, voilà. Créer. Ah bah d'un coup. Voilà. Voilà. Ok, ça va, j'ai compris, j'ai pigé le truc. Ah, plus. Ah bah voilà. Toi, on va te delete. Voilà, bah voilà, oh, bah voilà. Ouais, quand il le faut. Ouais, quand tu veux. Tout de suite, c'est mieux. Tac. Voilà. Et du coup, hop, voilà. Attends, depuis que le frangin a installé Gmod dessus, le PC il est un peu en PLS. Et le pire, c'est que j'avais déjà Gmod, mais comment dire, il remplit le peu d'espace qui nous restait, malheureusement. Donc toi, tu vas faire partie de l'arrière-plan. Et du coup, tu bouges plus. Voilà. Voilà, quand tu veux. Du coup, là, on va faire le côté droit. Quelques deux groupes. Que... Voilà. Côté droit. Voilà. Parfait. Hop. Du coup, tac. Voilà. Hop. Ensuite. CF. Et je vais faire un espèce de rouge. Un peu foncé comme ça. Si je faisais un peu plus dans ce style là de rouge. Ah, j'ai quelques doutes.
peut-être plus dans ce style là. Non, ça fait trop gros ça. Comme ça. En fait, j'essaie de... Enfin, l'espèce de vert, là, de carré vert, c'est pour le fond. Enfin, c'est pour le fond. C'est là où il y aura l'écran, justement, du direct. Où il y aura le... Le stream. Enfin, le stream. L'image. Donc, quand je bougerai... Enfin, voilà, quoi. Ce sera cet écran-là. Là ici à droite, ce sera surtout les chats, les actualités du moment et tout. Oh, il y aura peut-être les latest follow, si j'arrive à trouver comment faire ce truc. Et en bas, je pourrais mettre les barres de follow et les barres de sub. Voilà. Je faisais un truc un peu comme ça. Ouais. Moyen convaincu là. Et ça. Non, mon truc c'est un peu un rouge. Un rouge un peu noir, comme ça. En plus, comme ça. Ouais. Comme ça, si je augmente le noir, j'ai dit si j'augmente le noir, ça me paraît pas trop mal. Désélectionner, voilà. Ouf. Et du coup, voilà. Ce qui fait que du coup 50%, du coup toi on va te bouger et faire en sorte que tu rentres là. Au pixel près. Si monsieur veut bien. Voilà. Bien comme ça. Tac. Voilà, du coup, ouf. Au pixel près.
D'accord, pile poil, parfait. Tac, voilà. Et on te réduit, toi, là. Tac, et on va te dupliquer pour le foutre en bas. Ça va être long. Là, ça va être plutôt contour sans espace, merci. Là ça va être à droite, là ça va être attends, toi t'es lequel, t'es le haut, et toi du coup t'es le bas. Voilà, j'ai ma base. Bon, hop, j'ai coupé mon micro, comme ça tout le monde pourra en profiter.
We'll be right back.
Tac, là ça me semble être bon du coup, normalement. Je vais pouvoir tester ça sur le champ. Alors, l'ancien du coup, je vais retirer ça du coup. Tac. L'ancien overlay du coup, il ressemble à ça, c'est moyen. Le nouveau, il ressemble plutôt à ça. On va l'essayer. Nouvelle image, du coup, hop, voilà, on va plutôt mettre le bureau et couper Krita Group. Voilà, donc du coup, vous voyez tout ce qui se passe sur OBS, c'est pas grave. Au niveau de l'overlay, tac, image. Bureau. Hop, on va parcourir. Ça, du coup, non. Tac. Ouais, on n'a rien vu. Tac. J'oublie d'exporter, du coup. En PNG s'il vous plaît. Enregistrer. Voilà. Je suis youtubeur. Tac, dessin à nouveau. Ouvrir.
ça rentre pile poil. Ok, ça rentre pile poil, c'est parfait. Du coup, le bureau de... Alors, ouvre le tac, voilà. La barre des followers, on va la mettre là. Le micro coupé. Toi, je te mettrai plutôt par là, en attendant. Voilà. Le bureau. Alors, on va bien rigoler. Non, oui, plutôt ça, en effet. Toc. Lanza. Voilà. Et que si je coupe ça et que j'active le Krita Group. Du coup. Krita. Déjà voilà, on le remonte, c'est pas 100% ce que j'espérais. Bon, pour le moment, on va faire avec. Et puis, si on compare avec le bureau. Ça me paraît bon là. Ça me paraît bon. Donc si je retire ça, voilà. Hop. Du coup, Krita, toi tu ne bouges pas. Les emotes, on leur monte. Non, emotes everywhere. Oui, toi. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, les emotes, elles peuvent aller partout où elles veulent. Dans ce petit cadre, c'est plutôt pratique en vrai. Et le dessin perso. Voilà. Il est bien là. Ce qui donne, hop là, et le chat le voici. CTRL Z, reviens là. Oh, je me dis pas qu'il aurait bugué. Ça me paraît bon. Tac, ensuite, toi, on te met là. Voilà. Du coup, toi, pouf,
Tac, followers bar, overlay, overlay. Ouf, du coup, pour comparer avec l'ancien. Tac. Ça faisait ça avant. Maintenant, ça fait ça. C'est pas mal. Avec le chat sur le côté, là. Les logos en haut, tout ça, tout ça. Ici, je mettrai plus tard, hein, pas pour tout de suite, les... genre les derniers subs et tout, hein. Un peu comme... Ah, excusez-moi, un peu comme le goal, aussi. Mais ce sera en haut, quoi. Genre les last subs, last followers. Voilà que je trouve... Extreme Labs, où est-ce que ça se trouve? Mais je ferai ça en off. Puis voilà. Donc le chat, on est ici. Le dessin du perso qui est ici. Par contre, qu'est-ce qui se situe là? Ah, c'est eux deux qui dépassent. Ok. Je trouve ça bizarre aussi. Tac. Et on va passer sur le bureau où on va faire la même chose. Le fond, on va le bouger pour qu'il passe mieux. Voilà. Voilà. Il est bien là. Du coup, pouf, pouf. Overlay, tac. Avec le dessin du perso du coup que l'on... Ah bah en fait il y est déjà. Non il y est pas. Ok. Tac tac. Voilà. Mais bon vu que j'en ai pas trop besoin du coup. Voilà. Le fond qui est là. Main screen bureau là du coup. Hop. Le chat. Bah le fond chat du coup. Tac. Toi on va te delete. Main crita chat. Le fond du coup je n'en ai plus besoin. Copier. Overlay, voilà. Groupe Crita,
Perso emote, emote everywhere, Krita. Si jamais. Voilà. D'ailleurs, hop. Transition d'affichage. Balayage. Gauche. Non, pas un balayage. Glissement. Gauche, parfait. Voilà. Glissement à droite. Enfin, sur la droite. Waouh. Du coup, toi, pas besoin. En vrai, je pourrais le baisser. Voilà. Là, voilà. Ça me paraît pas trop mal. Ah. Par contre, le bureau là, comment ça me casse les bonbons là. Allez, voilà, là, parfait, parfait, parfait. Bon, ça fait un peu fifi au niveau des couleurs, hein, mais j'aime bien ces couleurs de base, donc très bien comme ça. Tac, tac, tac. Et du coup, le fond que l'on remet comme ça, voilà. Tac, tac. Et du coup, ça donne quoi en plein écran? Waouh, c'est pas mal comme ça. Donc ouais, on a bien le followers goal, le chat là. Hop, d'ailleurs je vais faire un test. Streamlabs, s'il te plaît. Alertbox.
Ouh. Ça donne quoi du coup? Oui, je sais, les notifications, blablabla. On teste le followers. Ouh. Alors. Alert stream. C'est mieux là. Safino underscore DA just subscribed. This is a test. John donated $17. This is a test donation for $17. Oh, si seulement je pouvais. Mais bon, pour ça, faudrait que je sois affilié. Le host. C'est dommage, j'avais pas trouvé d'image en fait. Pour le host. Mais bon. Safino underscore DH here. X100. This is a test bit alert. This is a test bit alert. Voilà. Donc ça me paraît pas mal comme ça. Le chat, c'est dommage, j'ai pas quelqu'un pour pouvoir tester. Dommage, j'ai pas quelqu'un dans le chat. Ah, excusez-moi. Ah, excusez-moi. Et voilà. Safino underscore DA just subscribed. This is a test. Je suis nul en allemand, faut dire. Je suis très très nul en allemand. Par contre, oh la, oh le fumier, je viens juste de m'en rendre compte, mais quand je fais mes tests pour les followers, il le compte aussi dans mon followers goal. Alors que c'est juste des tests. Genre, j'ai testé, hein, mais j'étais à 38 tout à l'heure, quand même. Voilà. Un de plus. C'est pour ça que ça faisait de la merde. Ah, c'est parce que quand je fais mes tests... Voilà. Oh, ça foire tout. Oh. Bon, bah, je vais devoir reset encore, hein. Genre... tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est? All Vickets. Eddie Asher. Followers go. Parfait. And go. Tac, followers. Goal amount. 50. Non, j'ai dit 50.
start amount. On est à 38 du coup. Voilà. Start goals. Ah, oh, faut vraiment que je mette ce truc. 02/16/08 start goals. Ouais, 365 jours si tu veux. Du coup, ok, c'est bon, ça me la reset. Enfin, waouh. Voilà, qui se calme, hein. Il me fait faire des trucs. Bon, alors, c'était un stream plutôt court, hein. Au final, j'ai pas fait de petits dessins pour ajouter quand je fais du Krita, genre comme lui là. Mais c'est très bien quand même ça. Hein. Ah, j'ai eu un petit sursaut là. Mais... Donc, bah, j'espère que ce stream aura plu à ceux qui verront du coup en replay, puisque je suis de nouveau tout seul. Hein. Jess m'a lâchement... Il m'a lâchement abandonné. Voilà. Et puis, bah, je vais arrêter le stream maintenant. Hein. Voilà. Bon, de toute façon, je l'avais dit, hein, c'était uniquement pour l'overlay. Je l'avais dit, pour refaire l'overlay. Ce qui est... Ça, là, il commence un peu à vieillir. Attends, non, pas celui-là. Celui-là non plus. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment le vieux, vieux, vieux. Bon, on oublie le petit bonhomme en bas, là. Hein. Mais ces overlays, là, et comme... Ils vont surtout m'être utiles quand je ferai du jeu vidéo. Seulement, pour faire du jeu vidéo, faut que il fonctionne. Or, non seulement mon PC n'est pas assez puissant. Sauf si je veux faire du Gmod, hein, mais je veux pas faire tout le temps du Gmod. Hein. Voilà, faut bien que je varie un peu. Et en plus... Je retrouve plus mes mods Stargate. Ils ont disparu. Ils ont disparu de Homeworld. Et faut que je refasse une mise à jour pour Star Wars Empire at War. Et j'espère que le mod n'aura pas disparu aussi pour Pegasus Chronicles. Parce que dans ce cas-là, bah, je vais m'ennuyer. Hein, voilà. Donc en attendant, ce sera uniquement du dessin ou du blabla, si j'en ai envie. Parce que voilà, le blabla, bah, j'ai pas tout le temps envie de faire du blabla. Et en plus, aujourd'hui, je suis pas très... Et pour ce qui est du dessin, en ce moment, je suis pas très inspiré. Hein. Donc du coup, voilà quoi. Bon, j'espère que ce mini-stream vous aura plu. Hein. Il aura quand même duré presque 2 heures, 1h40 pour être exact. Et puis ça fera aussi un petit truc à partager sur YouTube, hein, vite fait. Voilà. J'espère que ce petit stream vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les commentaires si vous en avez envie. Et puis à me donner votre avis aussi sur ce nouvel overlay. C'est vrai qu'il fait assez fifi, hein, je peux encore changer si je veux. Ça, il n'y aura pas de problème. Mais il est joli comme ça, il est très bien. Enfin, il est bien. Il fait le taf. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Et puis, bah, bye bye!